Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour la vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter des ballasts, mais pas des ballasts de tuf fluorescent, mais des ballasts de lampes à décharge pour les lampes à décharge. Donc, c'est des lampes, c'est des platines assez lourdes, hein, assez ferromagnétiques. Donc, voilà, voici la première. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Alors c'est une platine avec les ballasts de marque Tridonic. Enfin le ballast est de marque Tridonic. Donc là on ne veut pas voir vu que le focus ne veut pas se faire correctement. Mais de marque Tridonic alors Obi 35. Donc une fois 35 watts. Donc c'est pour les lampes à iodure métallique. Donc voilà. Donc déjà la platine de marque Eurdekian, Lumière France. Platine lampe iodure val métallique 35 watts, tension d'amorçage, l'amorceur qui est ici. Là c'est le condensateur et là c'est l'amorceur qui envoie une décharge. L'amorceur envoie une décharge de 4500 volts. Donc voilà quoi. Là, la marque Tridonic aussi d'amorceur de marque Tridonic et le condensateur. Donc bon voilà, là nous avons la tension d'entrée, elle se fait là, plus la terre qui est là, la mise en terre, et la sortie de la platine d'alimentation se fait là avec le neutre là et la phase. Et là nous avons des coupes, enfin des pas des coupes fines mais des accroches fil pour éviter que les fils bougent n'importe comment, je ne sais quoi. Donc voilà. Aïe! Par contre, il faut faire gaffe parce que la platine est coupante. Je me suis déjà coupé un petit peu ici, là. C'est de l'acier ou du métal. Donc c'est assez coupant. Sauf que là, il y a eu un petit problème, là. Ça a été un petit peu tordu. Rien de grave, il faudra juste retordre. Le métal, parce que là c'est des endroits pour les fixer à l'arrière. Bon, il y a les écrous pour l'amorceur et le condensateur, et là des vis qui accrochent le ballast ferromagnétique. Donc, c'est du déstock. Hein. J'ai trouvé ça sur un site de bricolage. C'est un déstock, hein, d'un bon vendeur d'ailleurs. Alors, la seconde est la même. Hein. Voilà. Voilà, il n'y a pas besoin de te présenter. C'est la même, la seconde. Et qui va super bien, mais qui va aller super bien d'ailleurs, une fois installée. J'aurai la vidéo dans pas longtemps. Avec ces petites ampoules. Donc voilà, à iodure de 35 watts. Elles sont neuves dans leur emballage. Donc si vous ne connaissez pas, il y avait. En fait, les platines, j'ai acheté sur Mano Mano. Voilà, c'est un site de bricolage. Bon, c'est un site de bricolage qui vend en France, et c'est un produit malheureusement ce que j'ai acheté en termes de ballast ferromagnétique pour les lampes à iodure, c'est un produit qui se fait livrer uniquement en France. Du coup, ceux qui habitent en Suisse, en Belgique, c'est pas la peine d'aller chercher. Et les lampes à iodure, bah, je les ai prises sur Lampe Directe. Ça coûte 11 euros à peu près l'ampoule. Il y a plus cher, hein. Alors ils vendent en termes de 35 watts, ils vendent du 830, du coup blanc chaud et blanc froid. J'en ai déjà une en 110 watts en forme de crayon, de 110 watts d'une couleur de 942, 942, du coup 4200 kelvins. Donc bon, voilà. Alors c'est laquelle que j'ai pu ouvrir? Non, c'est celle, c'est l'autre. Donc voilà. À quoi elle ressemble, j'ai pas trop touché parce que bon, j'ai pas vu qu'il y ait quoi que ce soit. Donc voilà, dedans il y a le mode d'emploi, je vous ferai ça sur la prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu le mode d'emploi sur la prochaine vidéo. Donc voilà. Bon, ça veut pas zoomer, hein, évidemment, c'est compliqué. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!